Position allongée sur le sol, confortablement installée, les jambes peut-être légèrement surélevées, les bras étendus le long du corps, paume tournée vers le plafond, la tête légèrement supportée par un oreiller ou une couverture, je ferme les yeux et je détends tout mon corps. Pour cette pratique du yogi indra, je prends la ferme résolution de ne pas m'endormir. Je vais rester éveillé durant toute la pratique. Si je m'endors, je reprends conscience des instructions dites par le professeur, du son de sa voix et des instructions qui sont données à cet instant. Je prends maintenant conscience de mon corps dans sa totalité. Je prends conscience du corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Je prends conscience du poids du corps, de sa masse. Je prends conscience de sa situation géographique dans l'espace et de sa position. Je prends conscience du contact des vêtements avec la peau, du contact des membres avec le sol ou avec les accessoires. Je prends simplement conscience de mon corps. Je vais maintenant prendre conscience des sons à l'intérieur et à l'extérieur de cette pièce. Je prends conscience du son d'abord le plus proche à l'intérieur de cette pièce. Ce peut être pour l'instant le son de la voix du professeur ou tout autre son ensuite. Je prends conscience des sons les plus proches à l'intérieur de cette pièce. Je prends maintenant conscience des sons à l'extérieur de cette pièce. Les sons les plus éloignés. Je prends conscience des sons qui peuvent provenir des voitures qui passent dans la rue, des sons des gens qui marchent, qui parlent, sons des oiseaux. Tous sont à l'extérieur de cette pièce, du plus proche au plus loin. J'en prends conscience. Prenez maintenant conscience de votre résolution, le Shankalpa, et répétez trois fois du plus profond de votre cœur, votre Shankalpa maintenant, dans le désir de sa réalisation. Prononcez mentalement maintenant, votre Shankalpa, trois fois du plus profond de votre cœur. Je prends maintenant la ferme résolution de ne pas m'endormir durant tout le yoga nidra et je répète mentalement, je ne m'endors pas, je reste conscient, consciente des différentes étapes du yoga nidra durant toute la pratique. On va prendre conscience des différentes parties du corps. Partie par partie, prenez conscience de chacune de ces parties en suivant le son de ma voix sans vous arrêter sur chacune des parties, ni essayer de la localiser ou de la visualiser. C'est très important de prendre conscience simplement du son de ma voix et du rythme que vous devez suivre mentalement. On prend conscience du pouce de la main droite, le pouce de la main droite, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle, la hanche droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, le talon droit, la voûte plantaire, le dessus du pied, le gros orteil droit, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. On prend maintenant conscience de la main gauche, le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus de la main, le poignet, le coude, l'épaule, l'aisselle, la hanche gauche, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la voûte plantaire, le dessus du pied, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. On prend maintenant conscience du fessier droit, le fessier gauche, fessier droit, fessier gauche, homoplate droit, homoplate gauche, l'espace entre les deux homoplates. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, à droite, à gauche et au centre. La tempe droite, la tempe gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la joue droite, la joue gauche. Le sourcil droit, le sourcil gauche, l'espace entre les deux sourcils. On prend conscience de la paupière droite, paupière gauche, le nez, l'arrêt du nez, le bout du nez, la narine droite, la narine gauche. L'espace entre le nez et la lèvre supérieure où se place la moustache, lèvre supérieure, lèvre inférieure, le menton, la gorge, la clavicule à droite, clavicule à gauche, la poitrine à droite. Poitrine à gauche, la cage thoracique dans sa totalité. Le ventre, le nombril, le bas-ventre. On prend conscience de la cuisse droite, la cuisse gauche, le genou droit, le genou gauche, le mollet droit, le mollet gauche, la cheville droite, la cheville gauche, le talon droit, le talon gauche, la voûte plantaire droite, la voûte plantaire gauche, le dessus du pied droit, le dessus du pied gauche, le gros orteil droit, Deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil. Le gros orteil gauche, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. On prend maintenant conscience de toute la jambe droite, de la hanche jusqu'au pied, toute la jambe droite dans sa totalité. On prend maintenant conscience de toute la jambe gauche, de la hanche jusqu'au pied, toute la jambe gauche dans sa totalité. On prend maintenant conscience des deux jambes, la jambe droite et la jambe gauche ensemble la jambe droite et la jambe gauche ensemble. On prend maintenant conscience du bras droit de l'épaule jusqu'à la main, le bras droit de l'épaule jusqu'à la main dans sa totalité. On prend conscience du bras gauche de l'épaule jusqu'à la main, le bras gauche de l'épaule jusqu'à la main dans sa totalité. On prend maintenant conscience des deux bras ensemble, les deux bras ensemble. On prend conscience maintenant de l'avant et de l'arrière du corps, le buste, tout le buste, de la poitrine jusqu'au bas ventre, tout le dos, tout le dos, des fessiers jusqu'au haut du dos. Je prends conscience de l'avant et du dos de mon corps ensemble. Je prends maintenant conscience de l'arrière de ma tête et de mon visage, l'arrière de ma tête et mon visage ensemble. Je prends maintenant conscience de toute ma tête. Toute ma tête et tout mon corps de la tête aux pieds, tout mon corps de la tête aux pieds, tout mon corps de la tête aux pieds. On garde conscience de l'exercice, on ne s'endort pas. On garde conscience, éveillé de l'exercice, on ne s'endort pas. On va maintenant éveiller différentes sensations dans son corps à partir du mental différentes sensations. On éveille la sensation de lourdeur dans tout le corps, on éveille la sensation de lourdeur dans tout le corps, comme si le corps pesant ne pouvait plus se soulever, comme si mon corps s'enfonçait dans le sol, j'éveille la sensation de lourdeur dans tout le corps. J'éveille maintenant la sensation de légèreté dans tout le corps, la sensation de légèreté comme si le corps, très léger, comme une plume, virevoltant au vent, pouvait se soulever du sol. J'éveille la sensation de légèreté dans tout le corps, dans tout le corps maintenant. J'éveille maintenant la sensation du froid dans tout le corps, le froid dans tout le corps, comme si le corps nu est allongé sur la glace, le froid de la pièce l'hiver qui n'est pas chauffée, le froid de l'eau qui tombe sur le corps, j'éveille la sensation de froid dans tout le corps maintenant. J'éveille maintenant la sensation de la chaleur dans tout le corps. Sensation de chaleur dans tout le corps. Le corps allongé nu sur la plage, le soleil dardant ses rayons sur la peau. J'éveille la sensation de chaleur dans tout le corps. Le corps assis à côté de l'âtre, l'hiver. Les flammes du feu réchauffent l'intérieur du corps. J'éveille toute sensation de chaleur dans le corps. J'éveille maintenant la sensation de la tristesse dans tout le corps, la tristesse. Je peux me souvenir d'un événement triste dans ma vie qui m'a amené cette tristesse. Du mental jusque dans le corps, j'éveille la tristesse dans tout mon être maintenant. J'éveille maintenant la sensation de la joie, la joie profonde. Je peux me souvenir d'un événement qui m'a rendu joyeux, joyeuse. J'éveille cette sensation de joie. Quelle est la sensation de la joie lorsque je la ressens dans tout mon corps? J'éveille cette sensation de joie maintenant dans tout mon corps, du mental jusque dans le corps. J'éveille maintenant la sensation de douleur dans le corps. La douleur qui peut être créée par l'accident. La douleur qui peut être créée par un événement qui m'a apparu dans ma vie. Douleur physique essentiellement. J'éveille la douleur physique dans tout mon corps maintenant. J'éveille maintenant la sensation de bien-être lorsque le corps est repu d'un beau repas ou lorsque la vie simple se déroule devant moi. La sensation de n'être gêné par rien, sensation de bien-être dans sa totalité, dans mon mental et dans mon corps. J'éveille la sensation de bien-être maintenant. On reprend conscience de son corps dans sa totalité. On reprend conscience de son corps dans sa totalité. Je prends maintenant conscience de ma respiration au ventre et au centre du ventre. Je veux compter à rebours ma respiration. Je commence par douze. J'inspire douze. J'expire douze. J'inspire onze. J'expire onze. J'inspire 10. J'expire 10. J'inspire 9. J'expire 9. J'inspire 8. J'expire 8. J'inspire 7. J'expire 7. J'inspire 6. J'expire 6. J'inspire 5. J'expire 5. J'inspire 4. J'expire 4. J'inspire 3. J'expire 3. J'inspire 2. J'expire 2. J'inspire 1. J'expire 1. Je déplace mon attention maintenant au centre de la cage thoracique et je vais compter à rebours de la même manière mentalement à mon propre rythme cette fois-ci. De 12 à 1, l'inspire et l'expire au centre de ma cage thoracique. Je déplace maintenant mon attention au centre de la gorge, le centre de la gorge, et dans cet espace, je compte à rebours les respirations de 12 à 1 comme fait précédemment. Je compte à rebours les respirations mentalement maintenant de 12 à 1 au centre de la gorge. Je déplace maintenant mon attention sur l'espace entre les deux sourcils, Ajna Chakra, l'espace entre les deux sourcils, et je compte à nouveau à rebours les respirations de 12 à 1, maintenant mentalement, l'espace entre les deux sourcils, Ajna Chakra. On garde conscience de l'exercice, on ne s'endort pas. On garde conscience éveillée de l'exercice, on ne s'endort pas. On reprend conscience de son corps dans sa totalité, on reprend conscience de son corps dans sa totalité, et on prend conscience de l'espace derrière les paupières, Shida, Kasha, l'espace de la conscience qui s'éveille lorsque les paupières sont fermées, un espace à moitié sombre, à moitié lumineux, sur lesquels passent des formes peut-être, des couleurs, des images. On prend conscience de cet espace qui apparaît lorsque les paupières s'est fermées, l'espace derrière les paupières, Shida, Kasha. Sur cet espace, on va projeter des images mentales. Ces images mentales seront dictées d'une manière rapide. Simplement suivez-les, n'essayez pas de les construire ou de les faire apparaître, laissez-les apparaître d'elles-mêmes. On éveille l'image de la flamme d'une chandelle, la flamme d'une chandelle, la flamme d'une chandelle. Un désert sans fin. Un désert sans fin, un désert sans fin. Une pyramide égyptienne, une pyramide égyptienne, une pyramide égyptienne. Une pluie torrentielle, une pluie torrentielle une pluie torrentielle. Une montagne enneigée, une montagne enneigée, une montagne enneigée. Un temple grec au lever du soleil, un temple grec au lever du soleil, un temple grec au lever du soleil. des oiseaux volant au coucher du soleil des oiseaux volant au coucher du soleil des oiseaux volant au coucher du soleil des nuages rouges qui passent dans le ciel des nuages rouges qui passent dans le ciel des nuages rouges qui passent dans le ciel une croix au sommet d'une église une croix au sommet d'une église une croix au sommet d'une église. Des étoiles dans le ciel, des étoiles dans le ciel, des étoiles dans le ciel. La pleine lune, la pleine lune, la pleine lune. Le Bouddha souriant, le Bouddha souriant, le Bouddha souriant. Vous allez maintenant prendre conscience de l'espace derrière les paupières, Shidakasha, l'espace qui apparaît lorsque les yeux sont fermés. Un espace à moitié sombre, à moitié lumineux, empli quelquefois de couleurs ou d'images qui passent. Prenez simplement conscience de cet espace. Dans cet espace, nous allons visualiser une histoire dont vous êtes le personnage principal. Imaginez-vous en train de marcher dans une forêt humide, les pieds nus sur la terre vous traversez une forêt aux arbres immenses qui s'élèvent vers le ciel vous sentez l'odeur des arbres des conifères l'odeur de la mousse l'odeur de la terre mouillée devant vous s'offre un chemin qui zigzague à travers cette forêt des rayons de lumière viennent frapper le sol vous réchauffe lorsque vous passez à travers ceux-ci des animaux sauvages se glissent entre les fourrés, à travers les herbes hautes, des lièvres, des serpents, peut-être des renards. Des champignons poussent sur l'écorce des arbres, des fleurs s'élèvent du sol, des papillons virevoltent au devant de vous, comme s'ils vous accompagnaient. Vous sentez bien en sécurité. Vous marchez d'un pas paisible. Vous regardez autour de vous les fougères, les différentes plantes qui habitent cette forêt, les arbres qui s'élèvent vers le ciel, mais aussi tombés au sol, dont l'écorce pourrie donne refuge aux insectes. Devant vous s'offre une clairière. Vous avancez, arrivez au bout du chemin, et vous êtes face à une clairière, une ouverture. Une ouverture qui contient en son centre, au milieu d'une herbe haute, fraîche, une petite maison carrée, blanche. Au-dessus, le ciel sans aucun nuage s'offre à vous. Cette clairière est entourée des arbres de la forêt, des sapins. Vous remarquez que la maison ne comporte aucune fenêtre, si ce n'est juste une porte en bois. Et en même temps, vous entendez des chants et vous ressentez le besoin d'aller voir. Vous marchez lentement, vos pieds foulent l'herbe humide de rosée. Des escargots parsèment le sol. Lorsque vous êtes proche de la maison, vous remarquez qu'elle est peinte en blanche à la chaux. Une odeur d'encens parvient à vos narines. D'une cheminée sur le toit plat s'élève une fumée blanche. Vous poussez lentement la porte et vous êtes dans une salle au milieu de laquelle se tient un moine qui vous tourne le dos, assis en position de méditation. De sa voix, il prononce le home en le chantant d'une voix suave. Salmondian, le son, vous en ressentez la vibration, vous en ressentez la profondeur, vous en ressentez la douceur. Vous ressentez le son comme des petites particules électriques, stimulantes, qui entourent votre corps et qui fait vibrer chaque chose à l'intérieur de cette maison. Sur les murs, vous remarquez les portraits de sages, hommes ou femmes, dans des cadres simples de bois. Vous approchez et vous reconnaissez certains sages, certaines photos de ces maîtres. Qu'ils soient en yoga, qu'ils soient en méditation, qu'ils aient été des enseignants renommés ou moins connus, vous en reconnaissez certains et certaines. Vous regardez tout autour de vous, la pièce est très simple. Elle n'est pas beaucoup décorée à part ces photos de sages et contient très peu de meubles ou d'éléments. Un petit âtre dans le coin à votre droite et vous remarquez au devant du moine un foyer dans le sol rectangulaire fait de briques duquel s'élève une flamme et cette flamme diffuse une fumée blanche qui sort par la cheminée. Le sage ne se retourne pas, il continue à chanter le home. Vous sentez bien en sa présence et vous décidez de vous asseoir à l'arrière de lui. Il a la tête rasée, recouvert d'une robe pourpre, habillé simplement. Vous fermez les yeux et vous ressentez la vibration du home qui sort de sa bouche. Vous ressentez l'énergie de cette vibration, mais en même temps la douceur du son de sa voix, mélodieuse, calme, rassurante. Au bout d'un moment, vous avez l'impression que c'est vous qui chantez le home, que de votre corps émane le son de votre bouche, de vos narines, de vos oreilles, de toutes vos cellules. Vous ressentez le home qui parcourt toute votre âme, votre entité, et en même temps qui se diffuse vers l'extérieur. Et vous remarquez qu'en effet, vous chantez le home. Vous le chantez d'une manière très naturelle, sans aucun souci de déranger le sage, ni sa pratique. Ceci vous semble une évidence. Vous laissez aller dans la récitation, en psalmoldiant le son. Vous en ressentez la vibration tout autour de votre corps qui monte et qui descend de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Vous décidez de quitter la petite maison, vous, vous levez tranquillement. Du fond du cœur, vous saluez le sage sans le déranger, le remercier de sa présence. Vous regardez une dernière fois les portraits qui sont accrochés au mur. Vos yeux glissent d'une photo à une autre, d'un visage à un autre. Vous sortez tranquillement, poussez la porte de bois puis la refermez. Vous êtes à nouveau dans la clairière, le soleil vient de changer sa position dans l'espace. Un peu plus à l'ouest, vous décidez de continuer votre chemin et rejoignez la forêt. Vous sentez bien, empli d'une énergie nouvelle, empli d'un repos, d'une satisfaction, d'une plénitude et d'une connaissance qu'on ne peut nommer, mais qui vous rapproche de votre âme, de votre entité, de l'univers dans sa totalité. Vous vous ressentez en union avec chaque chose, chaque élément, sans aucune séparation. lentement vous reprenez conscience de l'espace derrière les paupières shida kacha et lentement vous prenez conscience de l'espace des images des formes ou des couleurs qui peuvent s'y manifester Prenez maintenant conscience de votre résolution, le Shankalpa, et répétez trois fois du plus profond de votre cœur votre Shankalpa maintenant, dans le désir de sa réalisation. Prononcez mentalement maintenant votre Shankalpa trois fois du plus profond de votre cœur. Je reprends conscience de mon corps. Je reprends conscience de mon corps. Ressentez votre position dans l'espace. Ressentez vos membres en contact avec le sol ou les accessoires. Ressentez votre souffle qui entre et qui ressort. Prenez maintenant conscience des bruits les plus loin à l'extérieur de cette pièce les bruits les plus loin à l'extérieur de cette pièce. Prenez maintenant conscience des bruits les plus proches à l'intérieur de cette pièce, les bruits les plus proches à l'intérieur de cette pièce. Remuez légèrement les pieds, légèrement les mains, légèrement la tête. Pliez les jambes, tournez-vous de côté, reposez-vous sur le flanc et lentement ouvrez les yeux. Ceci termine notre pratique du Yoga Nidra.